Hey, salut, c'est Agi, bienvenue pour cet épisode 6 de Xenoblade Chronicles 2. Nous venons tout juste d'arriver au marché de Torygoth. On a assisté lors du précédent épisode, eh bien, à un rituel, hein, une sorte de rituel de comment devenir un pilote. Et c'est pas très sécure parce qu'il peut y avoir, eh bien, des morts si jamais la personne n'a pas, entre guillemets, le pouvoir pour le devenir. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il y a eu aussi ce principe de développement des villes en prenant des quêtes secondaires, je pense qu'on va faire ça pour cet épisode. Mais avant, faire peut-être l'objectif principal, puisque c'est écrit éviter la foule de la fontaine d'Abel en faisant le tour par la rue d'Aubrin. Je pourrais peut-être pas aller chercher toutes les quêtes secondaires, donc c'est peut-être pour ça que je vais m'occuper de ça avant. Vraiment de la quête principale, et après on pourra se faire ça. Ça, c'est quoi là-haut? Informateur. Tu peux me dire des trucs? Bienvenue, tu réunis d'un tuyau correct pour prix très correct. Ah ouais, d'accord. Entente au max, polarité. D'accord, c'est des trucs pour en apprendre un peu plus sur le gameplay. Non, ça m'intéresse pas. J'avoue qu'on est un peu à l'arrache, mais bon, quand même, on va pas lui acheter ça. Du coup, ouais, on va faire le tour, et aussi, on avait débloqué, heureusement que ça, on me l'a dit par commentaire, qu'il y avait un petit message. On va aller voir du côté de Pyra, sur sa lame, Dromark, voilà, très très bien. C'est où qu'on va voir ces trucs-là? Alors, c'est peut-être pas ici. Si, c'est ici. C'est bon, c'est bon. C'est sociogramme, voilà, sociogramme, voilà, on avait bloqué quelque chose. Pas mal de choses d'ailleurs. Vous avez accompli une prouesse clé, de nouvelles compétences ont peut-être été débloquées. Oh. Alors ouais, je peux utiliser les flèches, mais pour aller en haut ou en bas, c'est impossible. Je suis obligé de faire L ou R. Lame de fond, soigne le groupe à hauteur de 35% des dégâts causés. Ça pourrait être bien, ça éliminer des wolves à Gorbot. Sauf ennemi unique. Des wolves. Ok. Soyez à hauteur de 70% des dégâts critiques causés, on ne sait pas la condition. Lui en bas débloque le niveau 2 sociogramme. Ok, c'est ce qu'on a. Petite fiole de PV apparaît si le coup porté, probable fiole x2, 70%, réaliser des combos pilotes. Être présent est suffisant. Voilà. Tout un tas de trucs. C'est des conditions à remplir pour pouvoir débloquer. Bloquer des attaques. Ok. Type viande dans la sacoche. Utiliser des objets préférés de Dromark. Type viande. Condition, il m'en faut 4. Je sais pas si j'ai 4 viandes pour toi, mais. Écoute, si on peut aller voir vite fait, peut-être dans le personnage, ça sacoche. Si on va sur Rex, voilà, sacoche. Est-ce que j'ai de la bidoche pour toi? Ça va compter pour de la viande, ça. Et ça aussi, requin des nuages. Placer dans la sacoche? Non, je voudrais l'utiliser. Voir contenu, on peut pas l'utiliser, c'est juste à mettre dans la sacoche. D'accord. C'est utilisé en combat, allez vas-y, on va mettre ça dans la sacoche. Donc, voilà. Puis on verra bien comment on va pouvoir s'en servir. Alors, on va poursuivre la quête principale, c'est par là-haut. Et après, on reviendra pour parler à tout le monde et choper les quêtes secondaires. コアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ。さあ、それは誰にもわからんよ。 いにしえからそういうものなんじゃ。生まれてるブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラも さっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一度抵抗するな。こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者帝国にあだ名反逆者。 イーラのものであろう。イーラ？ニアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。
運送がきこれだ。あ、似てる。なんだって。いや、違う、似てない、全然似てない。って、こんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。シャー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが、登録ナンバーは？え？登録？すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前モグリのドライバーだな。違う、俺はお前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちは逃げな。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。たく、相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ1、2の3で行くよ。私たちは左、あんたたちは右。オッケー。いつでも。じゃあ行くよ。成功するのか、来るのか。1、2の。ひらむな、相手は少数、取り囲んでヒットラーロー。3。On vient tout juste d'arriver, c'est déjà les problèmes. Allez, les capitaines, pas de règles, tutoriel. On dirait que c'est le moment où vous parlez des attaques feintées. Enfin, des feintes. Si vous utilisez un art au moment précis où votre auto-attaque s'abat sur un ennemi, vous serez entouré d'un anneau de lumière. Ah, c'est ça l'anneau rouge, non? Cet anneau de lumière est le signe que votre dernière attaque était annulée et remplacée par une attaque feintée. Oh, peut-être pas. L'attaque feintée qui touche un ennemi est plus efficace qu'un art utilisé normalement. De plus, la jauge de recharge se remplit ensuite plus rapidement. Vous gagnez réellement à utiliser des attaques feintées. Et puis l'effet d'une attaque feintée augmente avec le stade de l'auto-attaque. Elle sera la plus puissante si vous la lancez au moment du troisième coup. Ok. Alors c'est bien, mais peut-être frapper, voilà, merci. Alors à quel moment j'ai un effet de lumière pour faire des attaques feintées? Hop, fiole le PV. On en profitera pour XP grâce aux quêtes secondaires qu'on fera après. Allez, la petite fiole. Je l'ai pas mise encore. Voilà. Oula, je vais garder mon autre attaque, je pense qu'on va le finir avant. Là d'ailleurs on va en cibler un autre. Très bien. A toi mon gros. Tu vas mourir. Chaleur. Je récupère les PV, je prends le fric. Sick. Pour le moment niveau 1, je vais le laisser niveau 1. On va aller chercher le niveau 2, pas l'utiliser tout de suite. Succès. C'est parti. Parfait. Allez tape. Il est mort. こうも強いとは。やはりドライバー。レックス、今だ。なあ、なんだこの炎の壁は。騒がしいですね。せっかく束の間の休暇を楽しんでいたのに。かぐつじ様。かぐつじ、ブレイドか。でもドライバーは、私のドライバーは現在ある任務で遠征中です。今は私一人。ドライバーがいない。カグッツ様はセルビアのホーチとも呼ばれる帝国最強のブレイド。ドライバーなくしてもこの力完全と。カグッツ様、この者たちはかのイーラの手の者。カグッツ様のお力をお借りください。いいな。水玉色のコアクリスタル、まさかとは思った。いいでしょう。ですがパクス警備長、セッションを禁じます。彼らを生きたまま捕らえます。はっ。
falloir que je revoie plus les feintes en détail. Le combat n'est pas fini, Brigide. On va peut-être s'attaquer aux soldats avant. Parce que lui va nous embêter. Faut mieux le frapper avant. Et le tuer. Donc le gibant devrait avoir un effet de lumière, mais je le vois vraiment pas. Allez toi, très rapidement, on va passer par l'arrière. C'est 576, ça fout les dégâts. Et sur le côté, c'est. Là, on se débrouille plutôt bien pour le moment. Il fait bien par contre, chaleur. Vous avez sans doute compris par vous-même le fonctionnement des combos de lames, mais refaisons le point ensemble. La flèche pointe vers une demande de combo émanant d'une lame assignée au chef de votre groupe. Cette icône s'affiche lorsqu'un combo de lame est prêt à être déclenché grâce à un art spécial d'une lame actuellement assignée ou bien lorsqu'un art spécial d'une lame assignée vous permet d'associer un combo de lame à un autre combo de lame en cours. Les combos de lame peuvent offrir un avantage décisif sur le champ de bataille. Assurez-vous d'en faire bon usage. Ok, on va récupérer les PV. Takero! Attaque par l'arrière! Yata! Et attaque sur le côté! C'est tout! Allez, tu vas mourir, oui! À quoi? Fiole de PV! Je récupère! On lance un autre arbre! Par derrière! On est parti pour chaleur! Niveau 2, ça sera suffisant. Yeah. Récupère tout ça. Et on tape. T'es résistante, toi. Hein. Par derrière. Pas besoin de récupérer de PV pour le moment, ça tient. Toc. On en remet quand même au cas où. À quoi? On y va pour chaleur. Miro Jordan. Tchouk. Les PV. J'ai pas fini. Et on lance encore. Bah. エーテルの流れを遮られること。いや、ビャコ。逃げろ、レックス。私たちに構うな。無理言うな。見捨てるなんてできるわけないだろ。あんたには、あんたの目的があるだろ。でも、それを果たせ。レックス、今は引け。それしかない。でも、 Toi, tu pues la classe, hein? Je tiens à le dire. Oi!
君が。トラだも。トラっていうのか。俺はレックス。こっちはホムラ。よろしくお願いします。よろしくも。もふふ。実は助けたのにはもう一つ理由があるも。理由？まあそれはトランチについてからゆっくり話すも。こっちだも。 La formation du groupe a été modifiée, ouais, quand on a perdu Nia et Dromark. Il reste plus que nous deux. Allez vous réfugier dans la maison de Thora. Ok. Bon, on va suivre le chemin. Les deux enfants et Blade ont été sauvés. 町の治安維持に。ねえ、パクス君。僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですが。 他のものはいいなの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あ、あの毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。緑色。緑。 わかる？これこの色、これが緑色、見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブレイドなんて、まずいないでしょう。一目瞭然でしょう。それをあんな猫型の普通のブレイド。お言葉ですが、あれは 猫型ではなく虎型。うるさいバカ。モー様。何？ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モー様、メレフ様が本国からメレフ特別執権官がたった今港に到着されました。なんですって。 Qu'est-ce que c'est encore que ça? Les problèmes sont pas finis, je le sens. ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるも。
本当だ。うやぁ、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいもん。トラ、そこから雲海を見るの大好きなんだもん。素敵なお家ですね。もふふ。ところで、レックスの兄貴。あ、兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。本当かも。トラ、兄貴のお友達になるもん。やったもん。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？桃、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレードのことかも？そうさ。それは町でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか？ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお、かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。Alors je me demande si on aura le temps de faire ce qu'on avait prévu, parce que là, ça s'enchaîne les cinématiques. Tora, qu'est-ce que tu as comme ingrédient à disposition? Kira peut se servir d'un garde-manger. Ah, pas grand-chose, Tora, désolé. Sortir faire les courses me paraît risqué. On va devoir faire avec les moyens du bord. Voyons voir ce qu'on a. Des sainti patates, des somptrouilles, une huile poisseuse et un poivron charnu. Et des oranges chilies en plus, c'est pas mal du tout. Tout ça est miam miam, prêt à miam miamer, sans préparation, pour ça que Tora aime. C'est déprimant à entendre. On n'était pas beaucoup mieux placés, tu sais. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu en dis, Pira? Tu penses pouvoir en tirer quelque chose? Oui, je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser la cuisine, d'accord? C'est peut-être x2, somptrouille x3, orange chili x5, objet obtenu. Une poisseuse, poivron charnu x1. Inspecter la cuisine de Tora pour que Pira puisse préparer le repas. Alors, il n'y aurait pas d'autres trucs qui traînent aux alentours. Tiens, un pot de collecte. Ah, oh, on t'a préparé à manger juste avant. Eh ben, on va le faire. Cordon bleu niveau 1. Cuisine de Pira, succès. Recette, pain tropical, salade lumilune et pot au feu. Bon, j'ai pas le choix. Je peux faire que pain tropical. Bien joué, Pira. うまい、うまいよホムラ。うまうまだもん。ほっぺ落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよホムラ。でもふしぐだもん。
穂村ちゃん火を使うブレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あの家具土とかいう帝国のブレード、あれも穂村と同じ火を使うブレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界ではエーテルっていう属性の力があるの。火とか水とか風とか他にもいろいろあるの。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするの。で、火は水に弱いの。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたもん。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。全く衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるも？それには結構複雑な事情が。どうしても？その複雑な事情すっごく興味あるもん。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだも。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん。トラにいい考えがあるもん。Que de secret, que de secret. 命令不特別試験か。いかがなされました突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね。常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます。メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって偶さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね。到着は明日かと思ってたのに。か、カグッチ様。天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだがな。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛布君。いえ、滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。え、会ってどのような。毛布君、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ。誰だよそんなブサイクに書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレイド、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラの？レックスとホムラというのか。バカー。
Qu'est-ce qu'elle a pas dit ? これなら私だってバレませんよね。ありがとうな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くも。Dis donc, ça te va bien, Pierrot ? Au secours de Nia, histoire principale, nouvelle quête. Bien entendu, on va suivre cette quête. Bon, ce point de collecte, on va pouvoir ramasser maintenant. Encore du bois. Toujours plus de bois, il n'y a rien d'autre chez lui qu'on pourrait embarquer avec nous. Là, il y a une échelle. Oula, on a plein d'objectifs à suivre. Est-ce qu'on peut faire encore de la cuisine aussi ? Apparemment, on peut. Hein. Mais tu peux strictement rien faire parce que j'ai pas les objets qu'il faut. J'ai pas les prérequis. Hop, on va monter. Est-ce que s'il y a un coffre qui traîne quelque part ? Non, apparemment, il n'y a rien du tout. Hein. Ok. Hop là. Et pour partir, donc on a ici. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait ? Pareil, on a un chemin à suivre ici. Bah écoute, on va se quitter ici pour cet épisode parce que là il y a eu des enchaînements de cinématiques et puis on fera ce qu'on avait prévu, je pense, pour les prochains épisodes. Allez, j'espère que tu as apprécié celui-ci. Je te donne rendez-vous pour la suite de l'aventure Xenoblade Chronicles 2. Des bisous et à la prochaine. Bye. Pira kawaii desu.